Et salut à tous, c'est Mister Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle avec... Frosty Vertel, bonsoir, ou Frosty Blood pour les intimes. Volker Maltein. Enfin. Pour la première fois en 25 épisodes, bravo, pain, 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 pain. Je déconne. Voilà, donc Volker est enfin de retour, par contre... Fait unique, c'est une grande première, nous avons perdu Okino, mais il sera sans doute de retour pour le prochain épisode, pas d'inquiétude. Donc, Volker, on t'a résumé tout ce qui était arrivé, puisque effectivement dans le dernier épisode, pour résumer rapidement, après que vous soyez tous retrouvés au camp protégé par les derniers gardes qui défendent encore la ville, vous avez décidé de descendre dans les tunnels des Kanchi, de ces insectes géants, pour tuer leur reine afin de détruire la colonie. Et donc vous avez abattu la reine, mais à votre grande surprise, donc vous avez trouvé retenu prisonnier dans la chambre de la reine cet homme, ce guerrier donc que vous aviez combattu quelques heures auparavant. Et qui semblait être le commandant des protecteurs de l'ombre, les tueurs de loups-garous. Mais il avait eu un comportement un petit peu étrange, puisqu'il avait tué ses alliés, entre guillemets. Et donc, ça vous est paru plus qu'étrange, mais vous commencez à entrevoir une solution, puisque cet homme a prétendu qu'il était en fait Ovarel, c'est-à-dire l'envoyé du gouvernement que vous voyez un petit peu partout en ce moment. Rappelons le cœur que dans le dernier épisode, les Kanchi n'ont pas fait un seul bon jet. C'est-à-dire que. Ils se sont tous foirés. Il y en a un contre moi, il a fait un sang. Il a fait un sang, il a pris cher. Honnêtement, voilà. Et donc, à la fin. Kanchi a perdu contre toi alors que toi, tu t'es fait éclater la gueule contre une porte. Bah mon dieu. Le pire, c'est que j'avais. Attention, on termine le previously quand même. Et donc, à la fin du combat, alors que la reine des Kanchi allait s'abattre sur vous deux, Volker et Okino, eh bien, la reine a été attaquée par une sphère de lumière surgie nulle part, qu'Okino a reconnue comme étant Valiel. Mais pas exactement Valiel, et il sentait quelque chose de différent en lui. Et rappelons aussi que Volker n'a fait qu'un seul coup. Notamment son apparence. Il a fait le ramasse-miettes. Non, mais je m'en fous. Je suis qu'un support, donc on s'en fout. Ouais, un support technique. Je ne suis qu'un support, on s'en fout, personne ne m'aime. Non, mais je m'en fous, j'aimerais bien trouver d'autres moyens pour pouvoir m'éclater. En plus, t'as plus remarqué. Oui, il nous en a parlé, c'est inquiétant de ce qu'il prévoit. Enfin bref. Et donc, effectivement, donc le combat vient de s'achever. Parmi les deux gardes qui voulaient vous aider, effectivement, celui qui est à gauche... Volker, il est très affaibli et ça n'est que grâce à toi qu'il est encore en vie. Et celui-là, il est un petit peu KO mais il peut marcher. Et donc, voyant que tout danger est écarté, eh bien il se relève précipitamment et il vous dit il faut que j'aille faire mon rapport à mon chef. Bon, restez là et surveillez le coin, je reviens vite. Pardon ? Hop, et donc il s'éloigne. Okay. Avec le petit feu follet qu'avait invoqué Okino, eh bien, qui s'enfuit, effrayé par Valiel. Puisqu'effectivement, chez les esprits magiques, les esprits comme Valiel sont souvent des proies pour les petits feux follets. Enfin, ce sont des prédateurs. On aura de l'argent et tout. Vous voulez de l'argent ? Calme-toi. Immédiatement, Knaï vole vers Okino et lui dit « Maître, 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 il faut que je vous parle. » Oh putain. Je rêve le truc qui vient de parler là. Effectivement, le truc vient de parler, mais ça n'est pas nouveau. Hein. Rappelez-vous, avant Valiel parlait déjà à Okino. Enfin, que cette voix. Oui, mais là, c'est une voix un peu plus bizarre. Hein. C'est quoi ce délire? Effectivement, il a changé. Et notamment sa voix. Et donc, effectivement, Okino s'avance vers lui et lui demande Valiel, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc. Donc Valiel s'approche d'Okino et à tous vous raconte donc son histoire. Eh bien, je pense qu'il faut que je commence par le début. Alors, en vrai, mon véritable nom est Kinaï. Je suis un esprit, un diablotin, et je vivais librement avant que vous, maître, vous ne me capturiez, vous ne réduisiez mon esprit en poussière, tout simplement, et que vous ne m'appeliez Valiel. À cet instant, toute ma personnalité, tout mon esprit ont été pulvérisés. Mais il y a peu, j'ai senti une énorme onde magique. Une onde magique dévastatrice qui m'a temporairement rendu fou, qui m'a mis en pièces.
Et à cet instant, propulsé par la vague d'énergie, j'ai senti quelque chose me percuter. C'était un autre esprit magique, un fragment d'esprit, et sous le choc, il a fusionné avec moi. Ce morceau d'esprit, il était encore à moitié conscient, mais il était également complètement fou. D'après ce que j'en ai perçu, l'esprit dont venait ce fragment s'appelait Ika. Je n'ai pas pu en tirer grand-chose, il a encore sa personnalité propre malgré sa fusion, mais je n'ai pu saisir que quelques bribes de phrases. Ouais, apparemment, c'est schizophrène, en fait. Apparemment, cet esprit Ika n'était pas loin de l'épicentre de la catastrophe, de là où la vague magique est partie, et apparemment, c'est ce qui l'a détruit. D'après ce que j'ai pu reconstituer, je pense que c'est à quelques jours de marche à l'ouest, dans les montagnes. Ah, et puis au fait, je pense que vous devriez savoir, maître, que maintenant je ne m'appelle ni Valiel, ni Kinaï. Désormais, mon nom est Kinaika, car je ne suis ni Kinaï, ni Ika, mais une fusion de deux esprits. Kunaï, au pire, tu l'appelles. Je suis seul à être choqué que ce truc est beaucoup plus intelligent que la petite merde qu'on avait avant qui disait oui maître que quand son maître lui avait demandé. Eh bien, prêtre Volker, il s'est parlé maintenant. Prêtre Volker, je n'ai pas toujours été stupide, hein. Vous savez, c'est maître Okino qui, dans sa grande gentillesse et dans sa grande miséricorde, a détruit mon esprit et ma personnalité. Merci. Attends. Tu veux dire que ce truc là, hey, les mecs, vous avez bien entendu, ce truc là vient de dire merci qu'on lui détruit son mental, sa personnalité et toute sa vie. Eh ben, il reste con. Mais... Oui, je sais, ça peut paraître étrange, mais malgré le choc qui m'a fait retrouver mon esprit et ma personnalité, je crois que le sort de Maître Okino s'est encore plus profondément imprimé en moi. Je suis convaincu que je dois le servir, et je le servirai en effet jusqu'à la fin de mes jours. C'est un peu normal, on en fait. Pas hein. Sinon, au pire, on y va, on se casse. Hein. Alors que pourtant, techniquement... Attends, j'aimerais bien parler avec ce monsieur d'abord. Parler entre nous. Vous tous. Moi, je suis en train de parler avec la bouboule, s'il vous plaît. Et également, on t'écoute pas, on va voir lui. Et donc, à cet instant, Kinaika donc devient plus brillant et puis s'élève légèrement. Mais je dois vous dire quelque chose. Cet Ika, il était à côté de l'endroit d'où est partie la vague. Et d'après ce qu'il dit, il a perçu un énorme danger. Je l'ai entendu parler vaguement de monde qui allait brûler, de choses qui n'auraient jamais dû être faites, de mages qui manipulaient des pouvoirs qu'ils ne contrôlaient pas. Enfin, je pense que là-bas, quelque part à l'ouest, il se prépare quelque chose de dangereux. Il faut aller voir, maître Okino. Toujours du côté de la Bretagne. C'est à l'ouest. Tout est la Bretagne, je te le dis, moi, Monnier. Et donc, Okino répond, nous verrons. Mais pour l'instant, il faut que nous interrogions ce Stovarel. Mais s'il est bien celui qu'il prétend être. Je veux juste interroger la petite bouboule avant. Eh ben, interroge la petite bouboule avant. Bonjour. À la petite bouboule, tu veux être mon ami ? Pourquoi est-ce que, tout simplement, tu es encore totalement dévoué à Okino, alors que pourtant il a plus d'emprise sur toi. Non, juste. Je pense que la vague magique et la fusion ont certes libéré une partie de mon esprit du sort d'Okino, mais d'une certaine façon, je pense qu'elles l'ont imprimé encore plus profondément en moi et créé un lien indestructible entre nous deux. Donc tu veux dire que si je veux avoir une sorte de créature un peu comme toi en guise de serviteur, faut que je trouve une onde magique, une sorte d'entité chelou et de la magie. Je vois pas vraiment ce que vous voulez dire, mais je pense que ce qui s'est passé est un peu sans précédent. Pendant que vous parlez, moi je vais aller chercher de l'XP, hein. Je vais aller chercher là-bas, hein. Allez, adieu. D'accord, bon, y a pas moyen d'ausculter la grosse bestiole. La grosse bestiole qui est morte? Ouais. Cette chose là. Bah écoute, fais-moi un test d'intelligence. Je sais pas ce que tu veux voir, mais... Bah, je vais essayer de fouiller pour voir si je peux pas récupérer plus d'informations sur cette espèce. Si je peux pas récupérer, entre guillemets, des sortes d'œufs encore à peu près intacts, du sang, ou tout ce qui peut faire, entre guillemets, des trucs intéressants. D'accord, donc tu vas en mode dépassement. Je me fail. Très bien, donc, tu poses donc la main sur la carapace, tu la caresses, tu essaies de voir quelque chose, et d'une voix grave, tu t'adresses à tes compagnons. Je crois... C'est un insecte. Que ce cadavre est mort. Voilà. Ah, quand même pas non plus.
Dans ce cas, je préfère faire moi-même. Je m'approche, je caresse et je fais « Les mecs, c'est froid. » Ça serait plus logique, non? Je le regarde avec un air de... Volker, à un moment, j'ai vu une potion. Pardon, une potion? Non. J'ai vu une potion. C'est du lait. C'est tout. Oui, il m'avait dit ça aussi. Les échecs en perception, c'est débile. Je vais jouer maintenant. Donc pendant ce temps-là, les deux sont... Donc, Spiritus, vous trois, vous approchez d'Ovarel? On le fait. Et moi, je snipe les souris, les nourrissures. Je fais mon gros campeur, là, je leur tire là. Donc, Frost, toi, ce que tu vois des nourricières, c'est que elles se sont toutes roulées en boule, elles rentrent les antennes, et puis elles tremblent. Ouais, tu vois, c'est pas trop bien. Quoi? Je vais les tuer. Quoi? J'ai cru entendre des trucs. Bah quoi? Elles ont essayé de me tuer, bah... J'arrive Non. Elles ont pas tenté de tuer. Elles ont tenté de protéger l'Orel. C'est légèrement... Bah alors? Et puis, Frost, je te rappelle que... qu'on a abandonné le système de points d'XP, donc je vois pas trop ce que ça t'apporterait de tuer des nourrices innocentes, à part de retarder cet épisode. Putain, si je me casse là, c'est bon là, il m'a saoulé. Donc ça, c'est une illusion de feu, au fait. Et donc j'imagine que Frost, tu la dissipes, ça sert plus à grand chose. Et je la fous sur Volker, Marc. Non, mais oui, je la dissipe. Mais c'est une illusion. Volker aurait juste l'air un peu con ou un peu badass au choix avec du feu en lui. Arrêtez de vous moquer, sinon je trans... sinon je teins les poils de... Qu'est-ce que t'es en train de faire, Volker? Je sais pense. Tu sais que j'ai récupéré le bouclier qui est là. Hein. Volker. Dès que ça fait la taille de ta tête. Qu'est-ce que t'es en train de... Qu'est-ce que t'es en train de foutre? Non, pas non plus. Ça fait pas la taille de ma tête non plus, mec. Calme-toi. Ah, vas-y. C'est grand que. Donc. Si tu regardes bien. Donc vous approchez d'Ovarel. Ouais, elle fait la taille de la moitié de mon. Effectivement. Et donc ça s'adresse à vous. Enfin, purée. J'ai cru que personne viendrait. J'ai même cherché que ces saloperies me boufferaient vivant. Bon, vous me libérez. Attends, il y a un petit problème là, monsieur là. Arrêtez de parler tous en même temps, je suis pas Spiritus, t'es censé être prioritaire. Bah vas-y, voilà. Parle. Avec ton score de social incroyable. Quelle preuve as-tu? Quelle preuve on a que. Oh, tu bugs un peu. Comment tu bugs ma gueule? Quelle preuve as-tu que tu es Ovarel? Que tu es Ovarel, ouais. Quelle preuve j'ai que je suis moi-même? Oui. Ton certificat de naissance, il est où? Non, eh bien, je ne sais pas. Je pourrais par exemple peut-être vous montrer le cadavre de celui qui était auparavant un des lieutenants des protecteurs. Ou je pourrais éventuellement attendre quelques temps que je me retransforme. Ça vous convaincrait peut-être. Mais là, en l'occurrence, j'ai juste envie de sortir de cette grotte. En l'occurrence, tu vas me pas parler de ce ton-là, monsieur, hein? Tu vas te calmer? Explication, please. Bon, donc vous, j'imagine que vous voulez plus d'explications. Ah oui. Et donc vous tous. C'est drôle pour une fois. Allez-y. Bon, je suis pas vraiment censé le dire à qui que ce soit, donc j'espère que vous ne le répéterez à personne. Bien sûr, moi j'ai fait gagner des infos, les mecs. Je vous ai plus ou moins sauvé la vie, donc je compte sur votre discrétion. Oui, on sera discret. Plus ou moins, c'est le mot juste, mais enfin... Plus j'ai la capacité, plus discret que Spiritus, donc vous voyez... Bon, je ne suis pas exactement un humain. C'est un dragon, le mec. Bon, en fait, je suis un morphe. C'est-à-dire une créature capable de prendre l'apparence qu'elle souhaite. C'est un putain de métamorphe, le mec. Et donc, quand il vous dit ça, vous tous... Vous, comme vous avez des rudiments de culture générale, eh bien ça vous évoque des choses. Donc vous savez ce que sont les morphes. Il n'aura pas besoin de vous le réexpliquer, mais vous vous souvenez que ce sont des créatures d'apparence reptilienne qui vivent plutôt au sud du continent et qui donc effectivement sont capables, en faisant une sorte de cocon, de se métamorphoser en absolument n'importe quelle créature qui a à peu près leur taille. Ah non, mais il pour... Ah ok, dommage, parce qu'il hop, il aurait pu genre se transformer en reine, et genre il aurait pu faire genre, partait tous et tout. ça aurait été un petit peu hors de portée de ses pouvoirs tout de même, parce que c'est un peu gros. Et donc effectivement, ce que vous savez aussi, c'est que les morphes sont souvent très très mal vus par la population du continent, notamment parce qu'ils ont le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe qui sans qu'on puisse le déceler, et leur pays a souvent été en conflit avec les autres pays au cours des millénaires. Donc effectivement,
C'est compréhensible qu'il cache ça. Ah, je comprends, monsieur. Je comprends. C'est Washi, tout ça. Je désire tout de même lui demander comment est-ce qu'on s'est rencontré la première fois avec Omar Ali. Ben, je vous l'ai dit, je suis un envoyé du gouvernement du Rentila et je vais dans les provinces pour voir si tout va bien, pour que tout le monde rende des comptes à la justice du roi. En l'occurrence, j'étais surtout là actuellement pour enquêter sur la piste, bien justement, de ces protecteurs de l'ombre. Le roi trouvait qu'il tuait trop d'honnêtes citoyens du pays. Alors, eh bien, mon but était de m'infiltrer parmi eux. Et c'est ce que j'avais commencé à faire en tuant leur chef et en prenant son apparence, comme vous l'avez vu. Le roi, c'est vous que vous êtes un morph? C'est un secret d'État, mais oui. Bah maintenant, c'est plus un secret d'État, mec. Je vous conseille de tenir votre langue. Je suis un mage légèrement plus puissant que vous. Hein? Et vous me devez la vie. Et oui. Donc oui, j'avais pris l'apparence de ce chevalier de Calombe, donc qui était un des grands chefs locaux des protecteurs, pour essayer de voir comment s'organisaient les protecteurs et essayer d'obtenir des informations. Malheureusement, j'ai pas pu faire grand-chose, puisque quelques minutes après mon arrivée, mes compagnons protecteurs de l'ombre sont donc venus m'avertir que, avant sa mort, le chevalier de Calombe avait décidé de faire une visite au château, donc j'ai dû le faire, et vous savez ce qui est arrivé. Des gens affiliés aux protecteurs qui habitaient au château nous ont prévenu qu'il y avait un loup-garou qui traînait, et bah, j'ai dû faire semblant de faire mon boulot, quoi. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, on sort. Nope. Ouais, je vais. Salut. Nope. Ah bon, bah tu viens. Ah, toi, tu dans ce cas-là. 360. Oh my god. Bon, c'est tout pour les questions. Vous pourriez me libérer maintenant. Donne-moi des drakes et on verra après. Visiblement, Volker qui est à 60 pieds désire encore vous parler. Donc oui. s'il pouvait se bouger le cul, ça serait pas mal. Je vais me diriger vers les insectes et je vais essayer de voir si je peux pas, entre guillemets, soit repérer Erklom. Oui, il est pas là. Au cas où, il aurait pu se déplacer là-dedans. Non, mais il a pas bougé, il a fait des ordures, il a bougé, il est mort. Libérer. Donc moi je vais faire simple, c'est je vais essayer de voir si les insectes, il n'y a pas des informations que je peux récupérer. Pour l'instant on va rester avec les autres juste pour l'instant. Et donc Okino effectivement s'avance jusqu'à Ovarel et lui dit mais au fait, comment est-ce que vous êtes retrouvé ici? Hasard. Et donc Ovarel lui répond bien j'imagine que vous avez tous perçu cette vague de magie. On s'en fout un peu, moi j'ai pas de magie, j'ai à peine de la magie. J'imagine que vous aussi, Okino, vous avez dû avoir quelques difficultés. La vague m'a carrément fait m'évanouir pendant une heure. Alors évidemment, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que ces saloperies de Kanshi m'avaient traîné dans leur tunnel pour m'offrir en offrande à leur reine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Volker qui dit des choses bizarres depuis l'autre bout du tunnel. Ouais, c'est ça, et autre chose aussi peut-être. En fait, finalement, ça donne une chance à la fin. Cette incarnation d'innocent, je me trompe. Tu sais que de là où je viens, c'est culture. Soit naine, soit viking. Essaye de faire quelqu'un de normal avec ces deux religions-là, ok? Pas possible. Vraiment, il est devenu prêtre déjà. Bah, Soleil, c'est pas non plus les pires vikings de l'univers, ça va. C'est Esteban, le mec. Le mec est surtout une saleté de nain barbare. Voilà. La première fois qu'on a trouvé un mec, j'ai juste voulu récupérer son crâne pour m'en faire une chopine. Rien de grave. Et donc Spiritus, ça fait donc tu écartes un petit peu donc toutes les substances étranges et inconnues qui le retiennent à la paroi. C'est ce que je disais, il a été apporté pour autre chose. Le nain qui fait des rires de nain absolument dégueu à l'autre bout de la galerie. Et donc Ovarel donc se relève, essuie un petit peu ses vêtements et vous dit très bien, bon, maintenant que je suis libéré et que vous partagez des secrets que j'aurais mieux préféré que vous ignoriez, je me demandais si je ne pourrais pas vous demander de m'accompagner. Oh mais nous on va utiliser notre moyen de pression, tu crois quoi? Parce que vous avez senti comme moi cette vague de magie à l'ouest, et ce qu'a dit cette espèce de diablotin, là, ce Kinaika, à propos de la source de la vague,
C'est vrai, je pense, je ne sais pas ce qui pourrait vraiment produire une onde magique aussi puissante. D'après mon expérience, ça ne pourrait être qu'un dispositif avancé ou un esprit extrêmement puissant. Mais enfin, je ne sais pas, puisque c'est situé à proximité de la frontière entre le royaume des nains et mon pays, je pense que c'est potentiellement un danger pour notre sécurité. Mais t'as entendu nain quoi qui vient de dire quelque chose. Il y a Volker qui fait un truc à 181 degrés, il se retourne. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai cru pas que le royaume des nains c'était là. Volker qui se retourne en mode je ne suis pas nain, je suis dominant. Non, on parlait pas de ça. Okay. Calme-toi. On va se calmer, le petit nain là. Parce que si jamais les nains étaient en train de. Je ne sais pas, d'élaborer des choses qui pourraient menacer le Rentila, il faut que j'aille enquêter. Alors, il paraît que ta patrie fait des petites cachotteries, hein? Tu sais c'est tout, Volker, on sait tout. Volker, t'as quelque chose à dire au nom des nains, puisque tu viens là? Je suis en 2001, gros. Je prends mon bâton, je lui assène le plus gros coup dans la gueule, et il se voltige et se retrouve éclaté dans le bide de l'arène. J'ai fait 29, je m'en fous. À Frost? Oui. Frost, fais-moi un test. De toute façon, j'ai toujours mes dagues dans les mains, tu sais, je peux déjà te transpercer en deux secondes. Hein. Frost, fais-moi un test d'adresse. Ok, tu vas prendre cher, bâtard. Il va tenter une esquive, peut-être. Salut. C'est un échec. Très bien, donc. Attends, je crois que j'ai un. 65, non. Très bien, donc effectivement, Frost te donne un violent coup de bâton et tu es repoussé. Aïe, j'ai mal, tu vas prendre cher, mon gars. J'ai déjà défoncé Okino, maintenant c'est à toi. Bon, Spiritus, je l'aime bien, mais sinon, tu vas prendre cher, toi. Ok, petit. Petit. Mais tu vas mettre 30, mec. Est-ce que tu pourrais justifier la raison pour laquelle tu tabasses tes compagnons? Premièrement, je sais pas. C'est d'une raison tout à fait banale, hein. Pour œil dans il a dit que j'étais un mauvais prêtre. Et j'ai insulté ma famille. C'est tout. Non mais j'ai dit déjà c'est pas ta famille parce que autant t'es un dominant. Tu dis putain c'est un donc effectivement vous êtes tous les deux en train de vous insulter et Ovarel s'avance vers vous en fronçant les sourcils et puis en soupirant apparemment un petit peu exaspéré et donc il vous dit qu'est-ce qui se passe encore. Ne vous inquiétez pas, ils font ça tout le temps putain. Je lâche mes couteaux et j'y vais en 1v1, tu sais. Bon. Je tiens les deux écartés les uns l'un l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, moi je me casse, hein, allez, salut. Ça, je fais Okino, là, maintenant, c'est Okino Burst, quoi. Donc Ovarel vous dit... Bon, très bien. Bon, alors... J'ai besoin d'aide pour enquêter sur cette chose. Ouais, pas tout de suite. J'aurais prévu ça, mec, je t'aurais aussi pillé pendant la nuit, hein. Oh là là. Puisque vos... J'ai cru entendre quelque chose venant de l'autre con. On verra ça une autre fois, pour l'instant c'est un peu qualifié. Oh, j'aurais pu. Donc, puisque vos compagnons ont l'air en train de discuter, qu'en pensez-vous, loup-garou? Je vais tenter de vous accompagner, de toute façon, que ce soit avec vous ou sans vous, je comptais y aller. Et donc, Okino s'approche d'Ovarel et lui dit je vais venir aussi. Cette histoire de magie, ça m'intéresse. Par contre, au moindre faux pas, vous savez qui vous attend. Je sais. Je prouverai que je suis digne de confiance. Enfin, suivez-moi. Suivez-moi. Il y a presque qui passe en mode. Bonjour. Non, si, Volker, donc pendant ce temps-là, c'est à toi. Pendant que tout le monde se casse. Moi, je veux, entre guillemets, aller examiner tous ces insectes. Attends. Je vais là-bas, je vais avec lui. Et je vais lui dire. Désolé pour avoir insulté ta famille. Non mais c'est vrai, non mais ça, je continue à le taper pour rien, enfin. Bah dans ce cas moi j'accepte les excuses. Très bien. Littéralement. Je passe devant, je regarde vite fait, hein, voilà. Un peu surpris, mais. Et si tu veux, je peux même te donner ma parole que je ne te ferai plus de mal. Parole de nain de pédophile. Eh non, parole de nain. Ça vaut de l'or. Eh, c'est une parole de nain non bourré. C'est la parole la plus sacrée d'un nain. Ouais. Je comptais sur les nains, je comptais juste pour te mettre un coup de poing en fait. C'était juste. C'est tout. Donc là, je vais tenter de donner un putain de coup de poing. Bien dans la mâchoire, tu sais. Et après, me barrer par là. Ok.
Donc là, t'es surpris à la base, hein, parce que là, j'étais en train de faire genre et tout. Non. Très bien, tous les deux, faites-moi un test. Continuez à vous battre, oui. Il y a des vrais combattants ici. Oh bah, je te mets un de ces coups, mec. Volker ? Allez, bim. Très bien. Je te mets un de ces coups, mec, je te mets un coup de boue. Donc, effectivement, Frost, tu le frappes à la mâchoire. Allez, salut, je cours comme j'ai jamais couru de ma vie. T'sais. Non, je rigole. le mec, il court comme un bandit. Non, je m'attrapera pas. Tu vas revenir pour me mettre un coup, du coup, je prépare mon coude. Volker, comment tu réagis à ça? Moi, je me lève, je me dirige donc par ici, voilà. Et là, je me tourne vers les insectes et je vais commencer à les étudier. Et tu ignores totalement mon test. Et ça se prend pour un viking. Allez, fais-moi un test. Là, je parle normalement et ça se prend pour un viking. Test d'intelligence, ça passe là, non? Ouais. Ah si, ça passe. Oui. Donc, ce que tu voulais savoir exactement? Je voulais avoir entre guillemets tout ce que je pouvais récupérer sur ces insectes-là. Récupérer sur ces insectes? Tout simplement, récupérer comme information, c'est-à-dire... Ah oui, non mais ce que je pensais... Quelles sont leurs faiblesses, quels sont leurs groupes sanguins, tout, réellement tout. Bon par contre, oui, le groupe sanguin, ça va être difficile. Voilà, donc effectivement, ton premier réflexe est de regarder si ce sont des O+, ou... et tu découvres que évidemment ce sont des insectes, donc ils n'ont pas vraiment de sang. Si, ils ont du sang. Non mais c'est un liquide... les insectes n'ont pas vraiment de sang, c'est un liquide, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y en a, si tu prends les mouches et que tu les écrases, tu te remarqueras. Ah, ça n'est pas exactement du sang, ça n'est pas de l'hémoglobine, c'est pas pareil. Oui, c'est un liquide. C'était la parenthèse biologique. Mais oui. Oui. Donc voilà, tu examines donc les nourrices qui se sont roulées en boule, qui bougent de moins en moins, et donc en les examinant, ce qui est facile puisqu'elles ne bougent plus, eh bien tu sens que leur rythme cardiaque ralentit, que leur activité corporelle baisse. Tu as l'impression que soit elles s'endorment, soit elles se préparent à mourir. Non, si c'est ce que tu crains, non. Non, t'inquiète pas. Les mecs, on se casse de la grotte le plus vite possible, je m'en fous. Là, en fait, j'arrive, je fonce ici. Ok, il arrive en mode nain pressé. Mais du coup, Frame, je m'en fous, je fonce. J'ai eu peur, du coup, je lui mets un coup de coude en fait. Voilà, c'est. Il m'attendait trop en fait qu'il vienne en courant. Donc, effectivement, tu. Hop là, je passe par devant tout le monde, je m'en fous, je sors. Donc, tu cours en hurlant et en agitant les bras. Non. Sortez de Qu'est-ce que tu fais, con? Je le suis comme un retard aussi. Voilà, je cours le plus vite possible. Voilà, un nain courir aussi vite. Si, Gimli. Et donc. Effectivement, vos compagnons vous regardent passer, interrogateurs. Qu'est-ce que tu fous, tout? Qu'est-ce que tu fous, le viking? Et donc, Volker, tu sors à toute allure du tunnel, accompagné par Frost, donc qui le suit parce que. Juste, je peux te dire une petite parenthèse. Si il je mets le plus fort possible le nom de mon insecte, Herclom, est-ce que les autres ils entendent derrière là, les ceux-là? Mais tu sais qu'il est peut-être mort ton putain d'insecte. Bah, les gens t'entendent. Et donc vous sortez en premier, donc Volker, hop, voilà. Tu es sorti du tunnel. Et donc tu sais que ton insecte adoptif, ton Kanchi Herclom, donc tu l'as laissé près de la place. Qui est par là. Le problème c'est que en fait. Pourquoi tu l'as. T'aurais pas dû. Bon, je le rate parce que ma connexion fait encore des merveilles. Je suis comme un retard. Donc. Il va falloir attendre parce que ma. Bon, oui, non, mais c'est pas grave, c'est entre eux deux, ils sont. On va les laisser gérer leur. En courant, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Mon insecte, chérie! C'est pas une réponse, putain! Si, c'est une réponse, mais c'est une réponse insectophile. Je te map. Bah, non, mais le truc, c'est que. Je vais faire une petite coupure parce que il faut la modifier en fait maintenant. Ah ouais. Parce que du coup, en fait, il y a encore la dévastation avec des cadavres partout. Parce que là, mon ordi. L'ordi arrive tellement pas. Ce trou est mort. Merde, j'ai supprimé une maison au lieu de supprimer le feu qu'il y avait dessus. Le pompier de l'extrême. Ça se prend pas vite le feu, hein. C'est destructeur, c'est ravageux. On y est presque, il manque plus que l'ami
Frost, il est où? Bah, je suis avec Volker. Oui, non, ouais, mais je... en fait, je te place sur la map. Hein? Très bien. Donc, déplacement de token en cours. Oui, c'est par là. On a dit souffrir. On n'est pas là du tout. Hein. Oui, je sais. Mais en fait, la liste de maps est tellement grande que je suis obligé de faire des pauses sur certaines maps. D'accord. Très bien. Donc, clone Volker suivi de Frost qui te court après parce que. Là, je vais... Mais déjà, en fait, c'est pas celle-là. Donc, ça, ce sont des. Je me jette sur mon insecte. Je fais un gros câlin en espérant qu'il soit encore en très bien. C'est pas lui. Donc, sur ton insecte là. Ton insecte. J'ai envie de voir faire un câlin à un cadavre. Non, je rigole. Donc, donc tu passes devant donc ce cadavre que tu reconnais, ce n'est pas Herclom. Et tu te souviens de l'endroit où tu l'as laissé, c'était juste derrière la boutique de l'alchimiste en feu. Donc, les flammes se sont éteintes, mais les bâtiments sont complètement carbonisés. Et donc, Herclom il n'y a plus rien, hein, c'est complètement carbonisé. Donc Herclom, en t'entendant, eh bien, il se retourne vivement vers toi, il agite joyeusement les antennes, et puis il court à tes pieds. Oui, content, coup, je suis en train de chialer sur place. Je peux pas rentrer dedans. Mais c'est complètement carbonisé, il n'y a plus rien, c'est une ruine. Je m'en fous, je casse tout. Mais il n'y a rien à casser, c'est cassé, c'est des ruines fumantes. Et bah le loup-garou à l'intérieur, il n'a pas brûlé, parce qu'il était dans le sous-sol. Il n'y a plus que des fondations. Bah il était dans les fondations, le mec. Tu vas aller voir sur le sous-sol. Voilà, sous le sol, pour aller voir le mini-spirit. Oui, mais tu ne sais pas qu'il y a une cave et les débris ont intégralement tout recouvert et tu ne sais pas qu'il y a quelque chose. Je cherchais, donc... En plus, puisque j'étais tellement radin, je regardais quelque chose quand même aller voir s'il y a toujours des choses. Il n'y a pas des trucs par terre, Est-ce que mon token est censé être sur la map? Je suis en train de me poser la question. Non, il n'est pas censé. Oui. Vous êtes en train de sortir du tunnel pendant qu'il est en train de courir. Donc, pour répondre à ta peur, Volker, effectivement, Herclom, lui, ne s'est pas laissé hiberner ou mourir comme le reste de sa colonie. Oui. Puisque tout simplement, son maître, ce n'est plus sa reine, c'est toi. Tu n'es pas mort, aux dernières nouvelles. Yeah, content. Je veux juste faire un petit tour des lieux pour savoir s'il n'y a pas entre guillemets des réserves de fioles ou de potions quelque part. Les réserves de fioles ou de potions ont brûlé grâce à Spiritus et Frost qui étaient très doués. C'est Spiritus qui s'est pas regardé. Hein. C'est pas moi. Non mais sérieusement, est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets des réserves de fioles ou des sortes de colis comme des sortes de livraisons qui se trouvent à côté des ruines qui n'ont pas été touchées. On l'aurait vu sinon, mec. Non, il n'y a pas de le matériel alchimique était à l'intérieur et le problème c'est que quand la boutique de l'alchimiste a brûlé, il y a des potions qui ont explosé, des potions qui ont avivé l'incendie, il ne reste strictement rien. Merde. Mais je peux rentrer dedans, moi. Bah fais-moi un test de perception, tu essaies de trouver des choses dans les ruines. Bah dans ce cas, moi aussi j'en fais, hein. C'est pas la peine. C'est bon, ça passe, allez, salut, je rentre à l'intérieur. Et moi aussi, ça j'ai très vu. Bien. Donc, j'ai vu du cannabis. Allez, on y va. Donc, vous deux, donc vous commencez à regarder dans les ruines qui sont en train de refroidir. Vous commencez ici à voir ce que vous pouvez ramasser. Et effectivement, vous trouvez des flacons brisés partout. Il n'y a absolument plus rien qui soit en état d'être utilisé. Frost, tu trouves un alambic. Sous une table qui est relativement encore en bon état, qui n'a pas trop souffert. Voilà, déjà. Mais c'est vraiment tout ce que tu peux trouver. Ah mais sauf qu'il est petit ou pas l'alambic, parce que si je le prends, je suis cramé si je viens avec. Donc toi, Volker, ce que tu trouves, eh bien, c'est le bouclier de Spiritus. Ah. Bah, il en a déjà un. Oui, mais ça lui en fait deux. Ouais, mais faut... Bah Spiritus, ton bouclier, tu l'avais logiquement laissé tomber là. D'accord. Quand tu étais tombé dans les pommes. Ton ancien bouclier. Mais du coup, est-ce que je peux vraiment... Mais aussi mon test de perception, je peux pas voir s'il y a quelque chose qui me choque. Non, enfin, pour trouver une trappe par hasard sous un mètre de cendre et de décombre, il aurait fallu soit que tu saches qu'il y a quelque chose, soit faire une réussite critique. Donc non. Bah non, mais je veux dire, il y a plus de tapis. Moi, juste une question. Mais en fait, si tu comprends pas, le toit s'est effondré sur le... Parce que là, c'est mal fait. Donc il n'y a pas de... Donc pendant cela, eh bien, on va retourner. Attendez, mais moi, j'avais pas terminé. Sérieusement, j'avais pas terminé. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je voulais faire, c'est tout simplement fouiller un peu plus pour trouver un type de potion spécifique.
Il n'y a plus de potions. Mais ton test de perception réussite indique que toutes les potions ont été complètement pulvérisées par les explosions d'autres potions et par le chaleur. Une potion spéciale parce que c'est une potion relativement rare. Ouais, mais le truc, c'est quand je dis que les potions, c'est très volatile et très dangereux quand ça s'enflamme, c'est que c'est très dangereux. Ça a tout anéanti. Non. Vraiment. Mes espoirs s'envolent. Le pire, c'est que ça se trouve, comment dire, si jamais ça... Si Spiritus remonte et qu'il demande où sont passés mes poteaux et qu'il voit qu'on allait là, je te parie qu'il va venir avec nous, qu'il va sentir le loup-garou, et voilà. À part, il est complètement con. Et donc, pendant ce temps-là, vous autres, vous êtes en train de sortir du tunnel... Voilà, avec... Ouh, c'est des effets spéciaux très bien fait. Donc voilà, vous êtes en train de ressortir des tunnels de la colonie. Et donc, hop, Ovarel commence à sortir. Et puis, il y a un garde qui lui tend la main pour le tirer hors du tunnel. Avec sa lourde armure, il a un peu de mal. Et donc voilà, deux gardes le tirent par les mains, le tirent hors du tunnel. Et puis, une fois qu'il sort de la cavité, les gardes ne le lâchent pas, donc Ovarel se racle légèrement la gorge. C'est bon, merci. Mais les gardes ne le lâchent toujours pas. Allez, bagnard. On va les buter, allez, salut. Lâchez-le. Et donc, les gardes vous répliquent. Non. Cet homme est recherché par les gardes pour meurtre multiple et trahison au royaume. Dis-lui que c'est le roi et tout, enfin, que c'est rapport. Et donc là, Ovarel le réplique. Non, vous vous trompez. Je ne suis pas cet homme-là. Je suis Ovarel, l'envoyé du roi. Relâchez-moi immédiatement. Et donc les gardes. C'est ça. On vous connaît, chevalier de Calombe. On a votre signalement. On n'est pas né de la dernière pluie, nous. On lui a demandé comment on s'est rencontrés et il a répondu exactement ce que Ovarel a dû répondre. Donc, vous avez la preuve qu'il s'agit bien d'Ovarel. Mais d'où va te croire que t'es un putain de loup-garou ? Ils auront peur. Et donc les hommes refusent d'entendre les protestations d'Ovarel et commencent à l'entraîner. Et donc, à cet instant, Okino ressent dans son esprit une présence faible. Et c'est celle d'Ovarel qu'il sent. Ovarel qui murmure légèrement dans son esprit. Légèrement, car sa magie est encore assez affaiblie par la salive toxique de la reine. Et donc il lui répond Laissez. N'essayez pas de m'aider, ça ne réussirait qu'à aggraver le conflit. Ok, on l'aide pas. Je vais pouvoir m'en tirer tout seul. Il va falloir que j'essaie de négocier. Évidemment, sans révéler. Ce que je vous ai révélé. Mais je pense que je m'en sortirai. Pendant ce temps-là, vous... Faites un peu de chemin sans moi. Allez vers l'ouest. Traversez la frontière. Et arrêtez-vous dans la première ville naine que vous rencontrerez. Non, si ma mémoire est bonne, cette ville-là s'appelle Triosclear. Vous ne pouvez pas la manquer. Là-bas, vous m'attendrez quelques jours. J'essaierai de vous rejoindre. Mais le temps presse. Et donc, il y a quand même un froid qui vient de passer. Juste, t'as vu quelle map là ? Celle-là. Si, quelle map ? Ouais. Effectivement, je m'étais pas aperçu que j'ai pas changé de map. Et donc, à ces mots, effectivement, Ovarel s'éloigne, retenu par les gardes. Du coup, c'est pas une réaction logique de Dokino, il s'en fout, il va faire sa vie. Par contre, Spiritus va peut-être se plus intéresser à nous, à part si il vient un jour, mais. Voilà. Et donc, je vais quand même tenter de chercher les autres. Et donc, peut-être que dans le prochain épisode, vous alliez suivre les indications de votre nouvel allié et partir vers le royaume des nains. On verra ça dans le prochain épisode de Dragonia 5985. Faites un accent pour la fin. L'accent du A bientôt. L'accent du nain. L'accent du nain. Si, on se voit dans un prochain épisode avec Volker le nain bourré. Juste un truc, ça c'est un nain, c'est un nain mexicain, c'est. Non, pas du tout, c'est un nain. Mais c'est un nain mexicain. Non, c'est un nain normal. Non, c'est un accent d'un nain mexicain. Dans le Hobbit, et Gimli, là, c'était voilà. Non. C'est... Bon, à plus. Tu parles.